Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente par rapport à d'habitude parce que je vais vous parler pour la première fois sur ma chaîne d'un sujet dont je n'ai encore jamais parlé et qui apparaîtra dans de futures vidéos, c'est les jeux vidéo. Alors, personnellement, en tant que personne normale dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui joue quand même, disons, pas mal aux jeux vidéo, mais bon, moi, mon style de jeu préféré, c'est les simulations de sport et, enfin, ouais, disons ça, les simulations de sport, donc, type, pour les citer, NBA 2K et Madden 16. Et je suis aussi quelqu'un qui aime bien jouer à tout ce qui est normalement jeu de gestion. Donc, je ne vais pas non plus jouer à SimCity tous les jours, parce que notamment d'ailleurs j'y joue pas du tout en ce moment. Mais tout autre type de jeu de gestion, sur PC notamment, j'aime bien y jouer une fois de temps en temps. Notamment des vieux jeux, présentés notamment par Jean du Grenier. Par exemple, je joue en ce moment un thème hospital et je m'amuse bien à faire chier mes patients. Bon voilà, c'était un petit peu l'histoire de ma vie. Et aujourd'hui, justement, en faisant un petit peu de ménage dans mes jeux vidéo un peu plus anciens, donc notamment sur PSP, j'ai pu remarquer une chose incroyable, c'est qu'en retrouvant 4 boîtes de jeux PSP, que je vais tout de suite vous mettre en face de vos yeux, en face de la caméra, c'est mieux, est-ce que tout rentre dans l'angle? Ça, c'est la grande question. Oui, tout rentre dans l'angle, mais bon, tout n'est pas droit, donc allez hop, on fait des ajustements à la volée, hop, tout ne tient pas, c'est super! Est-ce que c'est bon? Oui, c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, j'ai retrouvé 4 de mes jeux PSP, donc un petit peu plus que ça. Et la chose qui m'a largement étonné en retrouvant ces jeux PSP, en les remettant un petit peu au goût du jour, eh ben c'est que ces jeux se ressemblent beaucoup en termes de boîtes. Non pas que les jeux se ressemblent en termes de jeux vidéo, mais c'est les boîtes, ça m'a étonné, les boîtes se ressemblent beaucoup. Donc je me demande s'il n'y avait pas des normes imposées par Sony aux créateurs de jeux vidéo au moment où ils devaient designer leur jaquette. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'étais quelqu'un qui était pauvre parce que je n'achetais que des jeux Platinum. Ou pas, bon, c'est les jeux s'appellent que j'ai acheté un petit peu tard parce que soit j'avais pas d'argent à l'époque, soit décidez pas d'aller au magasin acheter des jeux, et à l'époque Cash Converters n'existait pas encore, donc je pouvais pas passer devant quand j'allais au lycée. Et d'ailleurs j'étais pas au lycée alors. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça c'est jeux Platinum, donc 4 titres sur PSP qui sont relativement connus. Donc ça, Gran Turismo, c'est le jeu de simulation de voiture qui est le plus connu, je pense, sur les consoles PlayStation et même notamment sur tout l'univers jeux vidéo. Gran Turismo, Forza, c'est les deux concurrents qui se sont quand même affrontés. Bon. Forza, c'est pas exactement le même type de simulation, mais bon, je trouve que c'est quand même assez ressemblant. Ratchet & Clank, qui a été le premier jeu sur lequel je crois que j'ai vraiment flashé quand j'étais jeune. Ça, c'est le jeu sur lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures sur PS2, PS3 et non, beaucoup pas du tout sur PS4 encore. Mais bon, étant donné que les jeux PS3 m'avaient quand même pas mal déçu, je ne sais pas si je vais acheter les jeux PS4. Notamment, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, il faudrait quand même que je m'y remette. Ce jeu-là, je l'ai fini, ce jeu-là, je l'ai fini, ce jeu-là, je l'ai fini, ce jeu-là, c'est fini. Donc, tous ces jeux, je les ai rentabilisés. Burnout Dominator, qui je pense est encore une fois une. Enfin, était, parce que j'en ai entendu plus du tout parler en ce moment, était quand même une référence en termes de défonce bagnole. Ça, clairement, c'est le jeu sur lequel tu t'amusais à jouer parce que tu voulais juste défoncer tes concurrents. C'était même pas l'effet je gagne ou je perds, c'était juste je m'amuse à défoncer tout le monde. Et Pursuit Force, qui était un jeu sur lequel j'avais aussi pas mal flashé quand j'avais 11 ans, donc vous pouvez voir que c'était avant l'âge limite. Parce que tout simplement, c'était un. On va dire. Si vous voulez, c'est une simulation de police un petit peu évoluée où il y avait vraiment toute une histoire derrière. C'est un jeu que j'ai fini notamment assez rapidement, mais qui est vraiment très sympa à jouer. Je sais pas si un jour j'achèterai l'autre jeu. Enfin, chaque fois, je rejoue beaucoup à la PSP un de ces jours, parce qu'en ce moment, j'y joue plus du tout. Mais Pursuit Force, c'est un jeu vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est pas forcément là en termes de jaquette avant que j'avais remarqué qu'il y avait des similitudes. C'est en retournant ces boîtes. Alors là, vous allez voir. C'est clairement. Du copitage-collage. Alors, est-ce que tout rentre dans l'angle? Oui, je vais prendre les boîtes une par une et vous les rapprocher, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, comme vous pouvez voir, donc voilà, là, il y a 3 jeux Platinum, un jeu normal. Toujours sur un jeu PSP, il y a toujours une bande en bas pour mettre donc, telle chose, donc là, notamment ça, l'habituel sur tous les jeux Sony. L'habituel, si chaque fois il veut bien faire le focus, oui, oh, rapidement. PlayStation, logo PlayStation, NPSP, Art Trademark, Sony, blablabla. Et le sceau de Sony, notamment toujours en bas. Ça, vous pouvez le voir, il y a toujours le petit sceau gris ici, sur lequel vous pouvez voir que le jeu est entre guillemets authentique. Vous avez le code barre, bon, ça c'est normal, vous avez à chaque fois attention comme ça. Et surtout, ce qui est frappant, je sais pas si vous arriverez à l'avoir d'ici, mais au moins vous allez pouvoir l'apprécier, c'est que à chaque fois, il y a exactement 3 captures d'écran. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toujours 3 captures d'écran associées à un jeu. Alors, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, en plus, ça s'appelle, vous avez les petites captures, même s'il y a une petite différence là, comme vous pouvez voir. Notamment qu'il y a 2 jeux qui sont compatibles avec le jeu en ligne. Alors que ces 3-là, enfin, alors que j'ai pas dit celui-là et celui-là, donc Pursuit Force et Gran Turismo ne sont disponibles en multijoueur qu'en jouant en mode ad hoc. Donc, c'est-à-dire avec une autre PSP en face de vous.
Ce qui était un moyen de jeu qui était quand même pas mal utilisé à l'époque où la PSP était une console référence. Même si maintenant, quand on vous dit PSP, ça vous fait surtout penser à avant. Et je pense plus qu'il y ait énormément de gens qui jouent à la PSP. Peut-être encore à la PS Vita, même s'il n'y a pas encore eu beaucoup de jeux dessus. Enfin, il n'y a jamais eu beaucoup de jeux sur la PS Vita, il n'y en aura jamais d'ailleurs beaucoup. Sur la PSP aussi, il a quand même manqué de pas mal de jeux. Bon, là, je m'égare un petit peu. Revenons à ça, les trois captures d'écran avec ici, ici, machin, bidule. Et il y a toujours aussi, ça c'est bon, c'est un petit peu l'habituel discours commercial, il y a toujours la punchline pour vous faire, genre, acheter le jeu. Là, par exemple, sur Burnout, vous avez repoussé les limites de la conduite extrême. Donc ça vous donne vraiment le ton. Tout de suite, vous allez conduire comme un abruti, ça va vous juste vous faire rire. Pour Poursuite Force, c'était quand même un petit peu plus, disons, je dirais pas plus terre à terre, mais voilà, c'est plus normal. Du bon côté de la loi, du meilleur même. Bon, en même temps, ils ont pas tort, il vaut mieux être du côté de Poursuite Force et de la police que du côté des malfrats et de faire des conneries. Parce que notamment dans Poursuite Force, les malfrats en pleine plein la gueule. Quand les gangs sèment la violence dans les rues, quand la population terrorisée a perdu tout espoir, c'est le moment de faire appel au Front National. Bon, à Poursuite Force. Excusez-moi. Donc cette blague, je n'ai pas préprogrammée du tout, c'est en lisant que ça m'est venu à la tête. On dirait un discours du Front National. Quand les gangs sèment la violence dans les rues de Beauval, quand la population terrorisée a perdu tout espoir dans les politiques et dans les partis UMPS ou les partis qu'on s'appelle, oh, les partis républicains PS, c'est le moment de faire appel au vote Front National. Oh. Bref, ça bonne blague, ça m'a fait bien rire, mais bon, je pense que pour beaucoup, ça leur fera pas rire, désolé. Voilà, bon, voilà, un petit discours un peu plus sympathique, un peu plus terre à terre. Ici, on vous vante tout de suite ce qui est pour moi est une réalité, la référence en matière de pilotage réaliste. Clairement, Gran Turismo a toujours été pour moi une référence de pilotage. Enfin, en tout cas, sur console. Hein. Après, je vous dis pas que ce Gran Turismo, j'ai toujours été un bon pilote. Ensuite, c'est sur Ratchet & Clank qui a marqué petits ennemis, gros, gros problème. Parce que bien sûr, là, il est marqué Ratchet & Clank, la taille, ça compte. Bon, je ne ferai pas de blague là-dessus. La blague a été annulée. Mais bon, voilà. Vous avez des petits ennemis, vous aurez des gros gros problèmes, mais bon, c'est vrai que dans Ratchet & Clank, vous êtes souvent dans un monde vraiment où il y a des petits ennemis qui vous font bien chier. Donc voilà, c'était la petite chose. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Bah, pas grand-chose finalement. Pas grand-chose, pas grand-chose. Bon, là, c'était le genre de vidéo un petit peu improvisée qui sert pas à grand-chose, mais qui sont un petit peu en mode fun fact. Donc je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler. Ça va être la série des fun facts dès que j'aurai un truc un peu insolite ou marrant à dire. Et ben, je ferai des petites vidéos comme ça, sympathiques. En plus, c'est pas très long, c'est accessible à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter sur une vidéo de test d'1 h 30 de ma part. Vous m'entendez pas trop longtemps, ma voix est pas trop dégueulasse, j'accélère pas trop la voix parce que je parle longtemps. Parfait pour vous, parfait pour moi, et en plus, je peux gagner des sous, ouais! Donc voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je ferai des vidéos sur la PSP, notamment je pense que je ferai une vidéo complète sur comment fonctionne une PSP, quel graphisme vous pouvez attendre, notamment pour ceux qui n'ont jamais eu de PSP, qui ont peut-être plus eu une DS, ou les plus jeunes d'entre vous qui n'ont jamais eu de PSP du tout. Bon, ça peut être étonnant, mais bon, pourquoi pas, hein. La PSP, c'était quand même la console qui était notamment associée à la PS2, disons, en termes de... Peut-être pas de graphisme complet, mais voilà, en termes de... d'esthétique et de type de jeu. Donc voilà, je ferai une vidéo sur la PSP, un de ces quatre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo assez courte. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez me voir faire plus de vidéos de ce type, notamment sur le sujet des jeux vidéo. Non pas que je veuille devenir un Cyprien Gaming, mais je vais en tout cas vous proposer des vidéos soit sur des vieilles consoles, notamment j'ai aussi une PS2 pour que je dois réparer. Sur la PSP, je ferai une vidéo, ça c'est sûr. Et puis bon, je verrai si j'ai d'autres inspirations comme ça qui me viennent. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pouce vert. Si vous ne l'avez pas aimé, pouce rouge, et si vous l'avez bah, moyennement apprécié, bah, ne faites rien, restez sur votre canapé et ne bougez pas. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimez bien ou pas. Donc voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire sur cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je fais 3 bisous à votre famille et à bientôt pour une future vidéo. Salut!